Avec Roger, Roger. Mesdames, messieurs, bonsoir. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. À la une de ce soir, toujours les étoiles noires. Ce mouvement terroriste, d'inspiration dadaïste, veut-il allonger la liste de ses crimes gratuits? En effet, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, des centaines de personnes ont perdu la vie. Quand le système d'aération d'un souterrain d'habitation situé dans la zone industrielle a été déréglé par des mains criminelles. À la une de ce soir, encore les étoiles noires. Pour écouter un peu les conversations, c'est fou ce qu'on peut entendre, c'est fou ce qu'on peut voir quand on passe sa vie derrière un comptoir. D'autre part, une bande de motards portant au front une étoile noire et mitraillette au poing ont attaqué ce matin l'autoroute aérienne 320 Nord qui mène à l'aéroport. C'était la première fois qu'on les voyait de près. Ils ont dévalisé un poste de péage et provoqué un embouteillage dans le seul but de retarder l'arrivée d'un convoi armé. Appelé en renfort dans la capitale pour venir en aide à la police locale et maîtriser ces milliers de zonards qui menacent d'ébranler le pouvoir. En cette période électorale, nous en reparlerons dans notre éditorial. Moi, les étoiles noires, je peux vous en parler. On les voit tous les soirs à l'Underground Café. C'est ici qu'ils préparent tous leurs attentats sous la direction d'une dénommée Sadia. Une révolutionnaire, une fille à papa qui a décidé bien arrêter. Mais quand on la voit, je ne dirais pas qu'elle sort de l'université. Regardez-la.